investisseurs qui viennent des paliers gouvernementaux. Développement économique. Développement de l'outil. Oui, de l'outil aussi. C'est quand même, c'est une belle réussite au Québec. Aujourd'hui, on est venu pour voir le centre d'allocation de l'année. Celui qui a été choisi de Gaspésie, du Saguenay, de Rimouski, de tout ce territoire-là qui est le Québec en entier. Le centre de location qui a été sélectionné, c'est celui de location Redden. Les deux propriétaires, Nancy et Daniel Théroux, sont fiers de nous accueillir à leur centre de location, puis les préparatifs sont démonstratifs de leur réussite. Présent sur place, on a le maire de la ville, deux députés. Après ça, j'ai le directeur du développement économique de la MRC. Puis tous et chacun ont mis l'épaule à la roue pour faire cet événement-là. On a quatre fournisseurs qui nous ont permis de monter cet événement-là, qui se trouve être Kubota, Sisolif, Skylif, les deux de Drummondville, puis on a Interlif Gauthier aussi qui est fier de nous accueillir avec ses équipements qui sont à l'extérieur pour les essais. Saint-François-du-Lac, plus particulièrement dans notre milieu quotidien d'action. Messieurs les députés, Monsieur le maire, Monsieur le directeur du développement de la bannière Loutec, Mesdames, Messieurs les membres de l'association, d'abord nous aimerions vous remercier pour votre présence ainsi qu'à nos fournisseurs partenaires de l'événement. Bien sûr, sans oublier l'ensemble des fournisseurs pour notre nomination comme maison de location de l'année 2014. Vous savez, même après 18 années d'exploitation, malgré les contre-coups de la deuxième récession, on pourrait dire que les entreprises de location, tout comme les régions d'ailleurs, doivent agir pour se distinguer dans cette société en mouvement constant. Et pour ça, nous aimerions remercier notre équipe de travail qui n'est pas composée d'une très grande quantité, mais d'une excellente qualité. Le personnel qu'on a et on apprécie vraiment leur travail. Et grâce à eux, d'ailleurs, on a reporté cette mention spéciale et je vous remercie. Sur ce, bonne visite et bonne soirée. Merci. Vraiment honorifique. C'est quand même pas rien, là. Le petit commerce de Saint-François-du-Lac qui réussit à le distinguer à travers le Québec. Mais vous savez, je ne suis pas si surpris que ça. Hein? Moi, j'ai connu Nancy, ça fait quand même assez longtemps quand je suis arrivé. Nancy était directrice ici de la municipalité de Saint-François-du-Lac et je voyais les 26 travailler. Nancy, elle était compétente, très déterminée et très consciencieuse. Donc, je ne suis vraiment pas surpris que
en s'en allant dans l'entreprise privée qu'elle a réussi comme ça. Vous savez, on est à une ère où les grandes chaînes prennent beaucoup de place. On le dit, les commerces en région ont de moins en moins de place. Moi, je dis, il ne faut pas baisser les bras par rapport à ça. Au contraire, il faut innover, il faut offrir des produits qui répondent aux besoins de nos populations. Puis surtout, il faut donner un service que les grandes chaînes ne peuvent pas donner. Puis quand on connaît les personnes, là, on est en mesure. Fait que moi, je vous dis, continuez votre bon travail, tout le monde. Bravo encore pour cette belle récompense. Et on a besoin, dans les régions partout au Québec, de gens qui n'ont pas peur de s'impliquer. Avec le rayonnement que l'OUTEC va donner, Redan, 2000 de population, donc c'est pas énorme. Et de voir que cette entreprise-là peut rayonner à travers le Québec, c'est quelque chose qui est très important et qui est valorisant pour la municipalité. Si on en avait plus, ça serait encore plus intéressant, malgré qu'on ça commence à se développer tranquillement. On essaie de pousser un petit peu, mais avec la conjoncture économique aujourd'hui, donc on sait que c'est pas facile, donc il faut faire avec des budgets, couper le 50%. Donc encore une fois, madame, messieurs, M. Théroux, félicitations et bonne continuation, puis peut-être au plaisir d'avoir doublé votre percée. Je m'associe à ces mots pour dire toute ma joie de partager dans mon comté une telle réussite. À chaque fois qu'il y a une honneur qui retombe dans le comté, bien, c'est toute la population qui en bénéficie parce qu'on parle de nous en bien, on parle de nous en termes de réussite. Et dans un petit milieu, c'est extrêmement important. Je pense que nos deux propriétaires ont compris que la réussite, c'est d'abord maintenant, dans nos jours modernes, axé sur le service. On est beau avoir les meilleurs matériaux, les meilleurs équipements, mais s'il n'y a pas de service, oubliez tout. Et c'est ce qui fait la différence, parce qu'un immeuble de ce grandeur-là ne pourrait pas survivre seulement avec sa clientèle locale. Et pour rayonner en dehors, il faut que les gens sachent qu'il y aura un service 24 heures. Et c'est ce qu'ils donnent. Moi, ça fait 31 ans que je suis député. Les ai vus grandir, hein, commencer tranquillement. Et aujourd'hui, un immeuble de telle grandeur et une réussite aussi grande que de recevoir cette assignation aujourd'hui, hein, ça a rejailli sur toute notre population, mais ça démontre également qu'il y a des gens de talent dans notre coin. Est encore entre les mains des indépendants comme Nancy Daniel et tous les autres propriétaires qui sont ici présents. Donc, c'est un effort important pour vous autres de vous positionner, de vous assurer que vous offrez une qualité de service pour en sorte que votre entreprise croît.
peut-être encore plus important pour nous de se structurer, de se regrouper ensemble. Vous savez, l'UTEC, ça fait 36 ans cette année que ça existe. L'UTEC, avant tout, c'est une bannière. Mais ce sont des indépendants qui sont derrière tout ça. L'UTEC a réussi à passer à travers les 35 dernières années. C'est à cause des marchés comme ceux-là qui font en sorte que la bannière est toujours bien représentée dans le marché dans lequel elle est positionnée. Puis dans les années à venir, l'UTEC va devenir de plus en plus gros parce qu'on a entrepris au cours des dernières années un gros programme de consolidation de marché qui fait en sorte que les membres travaillent de plus en plus ensemble et sont de plus en plus en cohésion. Je trouve bien important, vous savez, que la technologie est à la portée de tous et que l'industrie doit suivre cette technologie-là. Parce que l'industrie de la location, malgré ce que tout le monde peut en dire, c'est une industrie qui est toujours de l'expansion. Les années à venir, ça va être encore de plus en plus important. Les gens vont louer de plus en plus. On félicite les équipements REDAN pour cette belle mention d'honneur et on est heureux de participer avec vous à cet événement-là et à la réussite de votre entreprise. Alors, félicitations. Mon nom est Victorien de CISO-RIF. On est spécialisé dans les plateformes élévatrices et les nacelles depuis déjà 12 ans. Ça nous fait plaisir aujourd'hui de participer à l'événement, sachant qu'une bonne partie de notre clientèle, c'est les centres de location, dont plusieurs sont ici. Merci pour la business. Sans vous, on n'est pas là. Et félicitations à vous deux pour la belle entreprise que vous avez montrée au fil des années. On sait que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Puis Dieu sait qu'il en reste encore beaucoup à venir. Bravo, félicitations.